Salut à tous, c'est ABB Chocolat de IHEDEF. Cette vidéoconférence montre comment le protocole peut être utilisé pour évaluer les indicateurs de performance tels que uniformité, efficacité, adéquation, déficit hydrique relatif. La consommation saisonnière d'eau telle que l'évapotranspiration réelle, transpiration saisonnière et évapotranspiration potentielle saisonnière, qui sont calculées à partir des données WAPOR et des informations locales, peuvent être utilisées pour calculer les indicateurs de performance basés sur WAPOR comme uniformité, efficacité, adéquation, déficit hydrique relatif. Ce module démontre comment évaluer uniformité, efficacité, adéquation et déficit hydrique relatif. L'uniformité mesure la consistance de l'approvisionnement en eau dans diverses parties d'un champ. Elle est calculée comme un coefficient de variation de l'évapotranspiration réelle saisonnière dans la zone d'intérêt. L'efficacité ou la fraction bénéfique est calculée en divisant la transpiration saisonnière par l'évapotranspiration réelle saisonnière. L'adéquation est calculée comme le rapport de l'évapotranspiration réelle saisonnière sur l'évaporation potentielle. Le déficit hydrique relatif est calculé en soustrayant le ratio de la consommation en eau réelle saisonnière sur évapotranspiration réelle maximale de 1. Il y a quatre étapes principales pour exécuter ce module. Premièrement, assurez-vous tout d'abord que les données d'entrée dans le module 3 sont prêtes, c'est-à-dire que l'exécution du module précédent est terminée. Deuxièmement, lancez le notebook Jupyter. La manière la plus simple pour ouvrir le notebook Jupyter est de commencer par ouvrir le dossier principal WAPOR Master, téléchargé depuis le référentiel GitHub. Une fois le dossier ouvert, tapez Jupyter Notebook dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée, ce qui vous amène à ouvrir l'environnement de Notebook Jupyter. Troisièmement, ouvrez le dossier Notebook. Et vous avez ici à l'intérieur tous les modules du protocole. Enfin, exécutez le module. À l'intérieur du notebook Jupyter lancé, cliquez sur le dossier Notebook. Pour exécuter le module 3, cliquez dessus. Le module 3 aide à calculer des indicateurs de performance tels que l'uniformité, l'efficacité, l'adéquation et le déficit en eau relatif. Le calcul comporte 5 étapes principales. Il commence par l'importation des modules de Python et des données, puis crée un dossier de sortie qui fait partie de l'étape de configuration. Cette étape est suivie du calcul de l'uniformité, l'efficacité, l'adéquation et du déficit en eau relatif. Donc, nous commençons à importer les modules ou librairies standards intégrées dans Python. Pour ce faire, sélectionnez la cellule et puis cliquez sur Exécuter. Ceci est suivi de l'importation des données saisonnières de consommation d'eau qui sont transpiration, évapotranspiration réelle, évapotranspiration potentielle qui sont saisonnières et sont calculées à l'étape du module 2. Donc, nous les importons et ensuite nous créons un dossier de sortie qui est un dossier où seront enregistrés les résultats issus de cette analyse. Nous créons donc deux dossiers, un dossier appelé fraction bénéfique et un autre dossier appelé adéquation qui aideront à sauvegarder les résultats des calculs de l'uniformité, de l'efficacité et de l'adéquation. Nous sélectionnons donc la cellule puis cliquons sur Exécuter.
La deuxième étape consiste donc à calculer l'uniformité de la consommation d'eau, qui est le coefficient de variation de l'évapotranspiration réelle saisonnière. Donc, nous sélectionnons la cellule plus quiconque sur-exécutée pour que cette fonction, ce code Python, fait le calcul et enregistre également les valeurs dans le dossier de sortie créé. La troisième étape consiste à calculer l'efficacité ou fraction bénéfique, qui est un ratio entre la transpiration réelle saisonnière et l'évapotranspiration réelle saisonnière. Ici, le code dans cette cellule fait le calcul. Nous sélectionnons donc la cellule, puis cliquons sur Exécuter. Le code fait le calcul et enregistre en même temps dans le dossier de sortie créé et montre également la carte sur cette page. Maintenant, nous calculons l'adéquation, qui est le ratio entre l'évapotranspiration réelle saisonnière et l'évapotranspiration potentielle saisonnière. Alors, sélectionnez la cellule, puis cliquez sur Exécuter. Le dernier calcul concerne le déficit en eau relatif. Cliquez à nouveau sur la cellule, puis sélectionnez la cellule et cliquez sur le bouton d'exécution. Nous avons le déficit en eau relatif qui est la différence entre le ratio de l'ETA et l'évapotranspiration maximale E1. En fait, l'évapotranspiration réelle maximale peut être calculée comme le 92e centile de l'évapotranspiration réelle, ou nous pouvons simplement prendre l'évapotranspiration potentielle. Pour ce cas, nous avons pris le 92e centile de l'évapotranspiration réelle. Donc, le module 3 est terminé maintenant. Et nous pouvons vérifier si les données sont calculées. Si nous cliquons sur les données, alors nous voyons ici trois adéquations et aussi trois fractions bénéfiques qui sont calculées. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.